Olivier, premier gardien sélectionné, je ne me trompe pas? Yes. Ouais. Tu t'attendais-tu à être le premier gardien sélectionné? Tu serais peut-être lycée dans ce sens-là? J'ai hésité fin de deuxième ronde, mais je pense qu'il y avait Calum Booth devant moi. Je pense que c'est vraiment un excellent gardien, mais vraiment content de sortir. Tu sais que c'est la première fois dans l'histoire que Océanique sélectionne un gardien en première ronde. Tu n'as jamais fait ça. Petit velours? Ouais, c'est ça, c'est le fun. Là, c'est... Je m'attendais pas à sortir aussi de bonheur. J'ai hésité comme si à fin de deuxième ronde. Ouais, c'est un honneur pour moi de la partie de Océanique. Feeling particulier que ça se passe à Saguenay en plus? Oui, c'est ma famille là, c'est vraiment exceptionnel. Je suis sorti chez nous puis je suis rentré à l'arène là, c'est vraiment... Pour la première sélection de la famille... Ça te dit quoi, Rimouski? Je pense que c'est une ville que j'ai joué au hockey, mon hockey final un peu là-bas. Je pense que c'est une bonne partie de l'équipe qui est gagnée. Je pense que c'est vraiment... Aussi déjà en poste, il sera là à 18 ans l'an prochain, donc tu vas batailler, j'imagine, pour le poste d'adjoint, c'est ton objectif? Oui, c'est sûr, depuis le début de l'année, je travaille comme, tu sais, à chaque carrière que je fais, je pense que, je veux vraiment, tu sais, dans le fond, j'ai travaillé en fonction de jouer junior l'an prochain, c'est vraiment mon objectif. Quelle sorte de saison tu as eu? Je pense que j'ai une bonne saison, au début de l'année, ça a été plus difficile, côté, c'est sûr que c'était une adaptation, là, au niveau de... passer du Bantam de Home, Jet 3, mais je suis vraiment content de tout au long de la saison. Merci. Plaisir. Voilà pour Olivier Tremblay. Et on va faire une pause de 5 minutes.